Accueilli comme une rockstar, quand un véritable chef indien vient rencontrer des enfants d'Anglette, ce n'est pas du folklore. Leonard Crow Dog Jr. est le descendant direct d'une lignée de 5 générations de chefs Sioux Lakota, une tribu quasiment décimée lors de la colonisation de l'Amérique. Il vient porter ici son combat pour la reconnaissance culturelle des Indiens. C'est très important que la nouvelle génération sache qui sont les Indiens. Nous allons à l'école comme ces enfants, nous mangeons à peu près la même nourriture. Même si on a réussi à combattre les stéréotypes, c'est une façon de leur faire voir que nous sommes des humains comme eux. Je pense qu'à peu près tout le monde croyait qu'ils vivaient peut-être sans voiture, un petit peu comme nous au 19e siècle, alors qu'ils sont exactement comme nous. À l'extérieur, on est différents, mais à l'intérieur, on est tous pareils. Invité par l'association Angloïde Tradition Première, Leonard Crow Dog Jr. a aussi fait le lien entre les langues basques et Lakota. Notre peuple doit combattre pour préserver sa culture, et nous savons que la base de toute culture, c'est la survie de sa langue. Parole d'un représentant authentique d'une tribu ancestrale.